L'Institut national d'optique, effectivement, s'est installé dans le parc technologique en 1988. Mais au départ, il a fallu travailler plusieurs années, d'abord pour concevoir ce que serait un institut d'optique. Le mot optique était connu à ce moment-là, mais on associait l'optique à la lunetterie. Ce n'était pas du tout ce qu'on avait à l'esprit. Il fallait bien définir ce que serait un institut d'optique. Un institut voué à la recherche, à l'aide à l'industrie, et ensuite vendre l'idée au gouvernement et aux membres du milieu socio-économique de la région de Québec pour avoir leur appui afin de pouvoir aller obtenir éventuellement des fonds qui créeraient l'Institut d'optique. L'Université Laval, dont j'étais directeur, voulait vraiment s'impliquer dans son milieu parce qu'on accusait les universités à ce moment-là d'être dans le tour d'ivoire. Au même moment, le gouvernement du Canada a annoncé en 1983 qu'il créerait 15 centres de recherche au Canada. Aucun n'était prévu pour la région de Québec. Alors j'ai choisi cette opportunité pour demander aux chercheurs à l'Université Laval et notamment aux chercheurs du département de physique qui avaient déjà dans leur esprit l'idée d'un centre en optique, de me faire un projet, de me le présenter. Je me suis engagé à aller proposer de projets à la Société Interport de Québec, aux autres centres de recherche dans la région. Quand on parlait d'institut d'optique ou d'un centre de recherche en optique, les gens ne comprenaient pas exactement. Et à ce moment-là, bien sûr, dans les années 80, l'Internet n'existait pas, la fibre optique, il n'en était pas question. La photonique, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui, mais qui n'existait pas. On a retenu l'idée d'un centre d'optique parce que l'Université Laval, à ce moment-là, diplômait 50 % des docteurs en optique au Canada. C'est un pôle d'excellence très important pour l'université. Les chercheurs du département de physique étaient très forts dans le domaine de l'optique. Alors, le projet qu'ils nous ont présenté, qu'ils m'ont présenté, évidemment, était excellent. Et quand j'ai rencontré les chercheurs, et surtout le chercheur en chef là, qui a présenté le projet, il m'a vendu l'idée tellement facilement que j'ai tout de suite adhéré au projet. Les chercheurs ont poussé pas mal fort sur le recteur que j'étais à ce moment-là, lorsqu'on a obtenu l'accord du gouvernement fédéral et le financement pour que le centre d'optique soit logé sur le campus, parce qu'eux voulaient poursuivre leurs recherches. Et ça leur aurait donné la possibilité d'aller encore plus loin dans le domaine de la recherche en optique. Mais moi, j'avais aussi non seulement l'Institut d'optique à l'esprit, mais j'avais aussi l'idée de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un parc de recherche, un parc technologique, un parc où on pourrait installer des centres de recherche, un parc où des entreprises viendraient aussi s'installer, collaboreraient avec l'Institut, et un parc qui n'existait pas. Et j'avais même choisi l'endroit, un terrain vague situé à mi-chemin entre l'aéroport et l'Université Laval. Comment vendre non seulement aux chercheurs de Laval, mais aussi à la communauté de la région de Québec, l'idée que le centre serait installé sur deux villes, la ville de Québec et Sainte-Foy, parce qu'à ce moment-là, il y avait 13 villes. Et là, j'ai eu des téléphones, évidemment, parce que le maire de Beauport voulait amener l'INO à Bonport. Madame Boucher voulait l'avoir à Sainte-Foy. La maire de Québec voulait l'avoir à Québec. Alors, on a réussi à établir, après plusieurs rencontres, un consensus sur le projet. J'ai eu un appel à un moment donné, une fois que le gouvernement Mulroney a été élu, de Madame Duplessis, qui était notre députée de la région, qui appuyait le dossier et nous aidait beaucoup à Ottawa pour qu'on puisse obtenir de financement. Elle m'appelle un bon mercredi matin pour me dire « M. Paquette, je serai à Québec demain à 11h à votre bureau avec le ministre de la Science et de la Technologie du gouvernement fédéral. » Alors j'ai dit « Pourquoi, Mme Duplessis? » Mais il dit « Il veut savoir si on accorde un institut d'optique pour la région de Québec, à quel endroit vous allez le localiser. » Le lendemain, le jeudi, j'ai accueilli Mme Duplessis et le ministre. Alors le ministre m'a dit « Je veux avoir une réponse claire et nette. Où sera situé l'Institut d'optique? » Alors, je me suis levé debout avec lui. Je l'ai amené près de la fenêtre. Je lui ai montré le terrain vacant qui existait entre l'aéroport et l'université. Puis j'ai dit, « Monsieur le ministre, c'est là que sera situé l'Institut d'optique. » Il m'a dit, « Vous êtes sûr? » Je lui ai dit, « Oui. Pourquoi? » Alors, « Pourquoi? »
je veux que ce soit le premier centre de recherche qu'on installe dans cet endroit pour éventuellement créer un parc technologique. Et je veux que l'Institut d'optique soit l'élément porteur de ce grand parc de recherche qu'on a à l'esprit. Alors il m'a dit, vous m'avez donné la bonne réponse, vous allez avoir l'Institut, on s'est serré la main, et à 11h05, il avait quitté. Quand l'INO était annoncé en 1984 par le gouvernement libéral, ça a été annoncé à l'édifice des douanes par le ministre qui était venu spécialement en hélicoptère pour faire l'annonce. Alors j'avais rassemblé là les chercheurs du département de physique et le chercheur senior, qui était le professeur Boivin, qui était le père de la recherche en optique à l'Université Laval. Et on était autour de la table et puis l'annonce est faite là. Et d'ailleurs, Père Boivin, qui avait toujours voulu créer un institut d'optique, il était assis à côté de moi. Puis quand le ministre a fait l'annonce, pas à pleurer. Il me prend la main et dit, enfin, Jean-Yves, enfin, on va avoir un institut d'optique. Ça, je m'en rappellerai comme c'était hier. C'est M. Mulroney qui est venu faire l'annonce ici, dans le parc, mais il n'y avait aucune construction sauf le complexe technologique. C'était un champ. Et M. Mulroney avait invité M. Bourassa parce qu'il y avait aussi une entente avec le gouvernement du Québec. L'annonce officielle s'est faite dans une tente, je pense, qui était située pas très loin. Il n'y avait pas de route. Hein. Et il y avait une grande pancarte avec une photo de la maquette du parc. C'était marqué Institut national d'optique. M. Mulroney était là, M. Bourassa, le maire Pelletier, la mairesse de Sainte-Foy. Et j'étais sur la photo aussi. Je pense que Mme Duplessis était là. Alors, c'était la première photo officielle identifiée à l'Institut d'optique comme entité à venir dans la région de Québec. Il y a une deuxième photo où Mme Mulroney est là avec Bourassa, moi. Bourassa, il dit, donne-moi la cravate de l'université, puis je vais te prêter la mienne. On change de cravate. Il monte sur la scène, puis il dit, vous aurez remarqué que je porte aujourd'hui la cravate. Il dit pas que c'est moi qui l'ai donné. La cravate de l'université. Il dit, je suis un diplômé d'université, je suis fier, le recteur est là. Il dit, lui, il porte à matin une cravate rouge. C'était la sienne. Mais il dit, M. Bourassa, vous voyez aimer ça? Il dit, Mme Bourassa porte une robe rouge. La mission de l'INO, de l'Institut d'optique, telle qu'on nous l'a confiée au début, était très, très claire. Il s'agissait bien sûr de faire de la recherche appliquée, mais il s'agissait surtout aussi de développer un genre de technologie qui pourrait aider les entreprises à augmenter leur compétitivité. Alors, le modèle d'affaires de l'INO, c'est très simple, c'est une organisation qui se situe entre l'université qui fait de la recherche de base, de la recherche fondamentale, et l'industrie qui a des besoins. Et l'INO, situé entre les deux, est là pour transférer des connaissances, le savoir en savoir-faire, de façon à ce que les industries puissent utiliser nos technologies. Évidemment, c'était des technologies tout à fait nouvelles à ce moment-là. Quand on parle aujourd'hui de fibre optique ou de laser, on ne savait pas trop à quoi ça pouvait être utilisé. L'orientation de la recherche était orientée à ce moment-là vers la production de brevets pour capter des technologies et les préserver et ensuite prendre ces brevets-là et les transférer aux entreprises qui seraient intéressées. C'est un modèle d'affaires
qui a réussi de façon tout à fait exceptionnelle. C'est unique pour une petite boîte avec 200 chercheurs de créer 29 entreprises. 29 entreprises qui sont toujours existantes après 25 ans. Ça, c'est aussi unique. Nous autres, notre taux de succès est de 100 % Toutes les entreprises créées par l'INO sont en fonction. On fabrique quand même à ce moment-là, on était unique au Canada, de la fibre optique spéciale. Une fibre optique qui se vendait 400 ou 500 $ le mètre. Aujourd'hui, la fibre optique dans les poteaux de téléphone, c'est un dixième de sou le mètre. Montrer jusqu'à quel point c'était spécialisé. Mais on en fabriquait, on en a vendu dans les années 90 pour des millions et des millions de dollars. L'INO. Avant qu'on transfère cette technologie-là à une entreprise de la région de Québec. Et c'est avec ça qu'on a développé l'INO, qu'on a embauché de nouveaux chercheurs, qu'on a agrandi l'INO deux fois, et ça nous a permis de nous mettre sur la carte, entre guillemets, toujours avec l'idée qu'on pouvait aller très, très loin dans l'application de la recherche qu'on effectuait à l'INO. Évidemment, en plus de l'impact de création d'entreprise et l'impact des 5000 contrats auxquels on a fait pour des PME, il y a eu des secteurs qui se sont développés de façon particulière à l'INO, qui nous a conduit à mettre sur le marché ou à prendre des brevets qui ont marqué vraiment le développement de l'INO. Je pense que la fibre optique spéciale, celle qui entre dans la composition des appareils qui servent à l'Internet, dans les années 90, c'était une marque de commerce de l'INO, la fibre optique spéciale qu'on appelle la fibre optique dopée. On en a fabriqué beaucoup à l'INO et l'INO s'est mis sur le marché avec ça, non seulement au Québec et au Canada, mais au Japon et en Chine. On ne peut pas passer sous silence l'appareil qu'on a fabriqué pour Chris Hadfield, le Microflow, l'appareil qui compact, qui a été installé dans la Station spatiale internationale et qui sert aux astronautes maintenant pour mesurer le sang et donc les maladies éventuelles. Ça n'existe pas. On dit que cet appareil-là, qui est dans la Station spatiale, est aussi important pour les astronautes que le bras canadien qui est installé sous la navette pour faire des opérations. Donc, Microflow, c'est une très, très grande réalisation. On a développé des épilateurs laser, évidemment, qu'une autre compagnie a commercialisé. On a développé un appareil pour détecter le cancer du sein. On a aussi développé des appareils qui servent à mesurer la circulation des médicaments dans l'être humain. On a fabriqué des appareils qui voient la nuit, captent la radiation infrarouge et qui font des images avec ça. C'est tout à fait unique à l'INO. On a développé des appareils qui font des images à 5, 10 ou 15 km. Même s'il pleut, même s'il neige, même s'il y a de la brume. Au-delà de ça, il y a beaucoup, beaucoup de recherches. On a fait 5000 contrats pour l'entreprise. Alors, c'est 5000 solutions qui ne font pas toujours la une des journaux, mais qui servent aux entreprises pour leur aider à développer leur compétitivité. Je pense à l'esprit, là, les appareils laser qu'on développe dans l'industrie, dans une série, pour mesurer la qualité des 2x4, un rayon lumineux qui lit, qui donne une lecture instantanée de la dimension du 2x4. Si c'est un 2x3, le bois est rejeté. Là. Visuellement, manuellement, c'est impossible de faire ça. Alors, on a sauvé une entreprise comme ça qui a utilisé nos appareils et on a fait le même appareil pour détecter les bardeaux de sel. Les bardeaux de sel, il y en a des verts pâles, des roses pâles. Il faut que ça soit classé.
mesure les étoiles les plus loin dans l'univers, qui sont des millions d'années-lumière, avec des appareils optiques. Et l'INO a contribué à fabriquer un élément d'un télescope qui va être installé prochainement, qui va détecter la lumière venant de très, très loin, et qui va peut-être découvrir de nouvelles étoiles. Une foule d'appareils comme ça qui nous viennent à l'esprit quand on parle du rôle essentiel que l'INO a joué, surtout dans les PME. La région de Québec vit actuellement le plein emploi. C'est le taux de chômage le plus bas au Canada. Et une grande partie de ce résultat qu'on a atteint, c'est pas seulement des entreprises comme l'INO, mais l'INO et des entreprises qui ont été créées ont joué un rôle majeur. Nous avons un parc technologique, on a une centaine d'entreprises avec des milliers d'emplois. Québec, c'est non seulement maintenant une capitale administrative, une capitale culturelle, c'est aussi une capitale technologique. Et c'est ça qu'on visait au début. Québec, capitale technologique. On ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, on le sait. Le grand défi de la région de Québec maintenant qui se pose à nous, c'est qu'on a eu d'excellents succès. L'INO en est un, mais aussi. Et le grand, grand défi pour l'INO, mais pour les entreprises et les centres de recherche dans les autres domaines, c'est de se maintenir à la fine pointe, d'aller plus loin et continuer à développer des connaissances, prendre des brevets, puis faire partie des gagnants. Il n'y a pas de médaille d'argent, là. Quand on achète des technologies, on achète la meilleure à l'endroit où ils la produisent de la meilleure façon possible. Il faut toujours faire des choix à l'INO, dans les recherches qu'on fait, dans les programmes qu'on développe. On avait, il y a quelques années, 12 programmes, nous en avons maintenant 9, mais beaucoup plus pointus, plus spécialisés. On ne peut pas être excellent dans 10 ou 15 ou 20 disciplines à la fois. Donc, la spécialisation par le choix des bons programmes et l'abandon de certains autres dans un portefeuille de recherche est extrêmement important. Moduler nos programmes en fonction des besoins et des besoins de l'industrie, ça fait partie de notre mission.